À l'occasion de ses noces d'étain, Madeleine de Suède a dévoilé des images de mariage avec son époux, Christopher O'Neill. La princesse, un brin nostalgique, se dévoile dans sa sublime robe de mariée en dentelle. Le 8 juin 2013 restera gravé à tout jamais dans la mémoire de Madeleine de Suède. Ce jour-là, la princesse Benjamine du royaume de Suède célèbre son mariage avec son époux Christopher O'Neill. Maman de 3 enfants, prénommés Léonore, Nicolas et Adrienne, la princesse a alors tenu à célébrer ses noces d'étain. En effet, pour l'anniversaire des 10 ans de son mariage, elle a partagé de magnifiques clichés du jour J. Avec sa robe en dentelle, son magnifique voile et sa boucle d'oreille composée de diamants, Madeleine de Suède est tout simplement grandiose. Une princesse qui célèbre ses noces d'étain, elle porte aussi son diadème, qui a d'ailleurs été présenté à une exposition au Palais Royal de Stockholm en 2017. On peut aussi la voir en train de se déhancher avec son époux sur la piste de danse, le soir de la cérémonie. Autant de magnifiques photos, qui n'ont pas manqué de rendre un brin nostalgique la princesse. Un retour sur quelques moments privés que je chéris de notre mariage, il y a 10 ans aujourd'hui, a-t-elle rédigé en légende. Seulement 1 an et demi après le début de leur relation, Madeleine de Suède et Christopher O'Neill se sont dit oui pour la vie. Et une chose est sûre, entre les deux, tout est allé très vite. Nous nous sommes rencontrés via des amis communs. Pour moi, cela a commencé comme une belle amitié. Nous avons le même sens de l'humour et prenons beaucoup de plaisir ensemble. Christopher a trouvé la clé de mon cœur, si y estime mon âme sœur, indiquait la princesse lors de l'une de ses premières interviews officielles suite à la demande en mariage. Et le mari de la princesse n'a pas eu l'air impressionné d'épouser un membre de la famille royale suédoise. Je connais très bien la famille royale suédoise. Ils m'ont accueilli très chaleureusement et j'ai eu l'impression de faire partie de la famille dès les premiers temps. La famille de Madeleine est très agréable et nous passons un excellent moment à chaque fois que nous nous voyons. Ainsi, lorsqu'il a demandé la main aux deux parents de Madeleine de Suède, tous deux étaient ravis. Le roi et la reine étaient tous les deux heureux, et émus également, je crois. Un couple qui dure.